Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Souche au poids. Aujourd'hui, on est en direct du marché allemand de Québec pour parler d'un mercenaire allemand très important qui s'appelle Theodor Goeben. À son arrivée au Québec, il va changer son nom pour Kibo. Et non seulement c'est un mercenaire, mais c'est aussi un hautboisiste et un carabinier, et puis finalement un Québécois d'adoption. Souche au poids, ça commence ici! Les différents mouvements migratoires du Québec nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les populations qui se sont installées au fil du temps. Et en ce qui nous concerne, ça nous fera plonger dans l'univers incroyable de l'immigration par le biais des compagnies militaires. L'ancêtre de tous les Cables d'Amérique sera évidemment un mercenaire allemand et sera aussi l'ancêtre de tous les descendants Cables qui sont installés dans presque toutes les régions du Québec. Theodor Goeben est un mercenaire allemand venu comme membre de la compagnie du capitaine Sigismund Huggett, arrivé à Beauport en août 1779. Il est venu au moment de la Révolution américaine. À ce moment-là, les insurgés des 13 colonies, après plusieurs victoires contre les armées britanniques, ont voulu libérer les habitants du Canada du joug anglais. En septembre 1775, sans garnison adéquate, Montréal est prise et les Américains se dirigent vers Québec, où Carleton leur a résisté jusqu'à l'arrivée de renforts anglais et allemands au printemps 1776. Regardez, ça s'est passé ici! C'était une pratique à l'époque de faire appel à des mercenaires allemands. Au Canada, écrit le gouverneur Haldimand, l'armée anglaise est surtout constituée d'Allemands. À ce moment-là, l'Allemagne n'est pas vraiment un pays, mais plutôt une multitude de contrées, de villes libres et de duchés qui sont regroupés à cette époque en une entité politique sans réel pouvoir, qui est le Saint-Empire romain germanique. Le roi George III avait en effet demandé aux princes d'Allemagne de fournir une armée de volontaires pour contrer la Révolution. Et dans le fond, pourquoi les gens décidaient de partir, s'enrôler et partir en Nouvelle-France? Bien, c'est une bonne question. En fait, il y a deux écoles de pensée au niveau de l'enrôlement militaire. La première dit que c'était pas exactement un choix pour les hommes de s'enrôler dans l'armée. On pouvait parfois avoir recours à certains artifices pour forcer les gens un peu à désirer s'enrôler. On pouvait carrément les enlever ou même les faire boire là, pour leur faire dire que ça leur tentait de s'enrôler. La deuxième école, elle, dit qu'au contraire, c'était parfois un choix. Donc, parfois, on offrait des rémunérations aux gens qui décidaient de s'enrôler, ou parfois même, on pouvait enlever les marginaux des familles, donc des gens à problème, et en fait, libérer les familles de ce fardeau, de cette personne-là. Qu'on soit d'une école ou une autre, il faut savoir que la vie en Allemagne au 18e siècle était assez difficile. Le recrutement, en ce sens-là, était parfois vu comme un privilège, même si les soldats finissaient parfois par être à la merci un peu de leur commandant. Ils étaient souvent appelés à participer à la construction, notamment des fortifications, et même à la construction d'une citadelle qui était présente exactement là où on est ici, sur les plaines d'Abraham. Theodor Goeben faisait partie d'un corps de tireurs d'élite qui s'appelait les Chasseurs ou les Jägerkorps. Ce corps-là avait un statut particulier. Il était le seul dont les membres étaient de vrais mercenaires. On voulait en fait des spécialistes pour combattre en forêt, qui est une caractéristique évidente et naturelle en Amérique. On voulait créer un corps de spécialistes de cet environnement-là. Fait que Theodor est engagé comme mercenaire, mais c'était quoi son mandat? C'est une bonne question. En fait, il a passé proche de ne pas être admissible parce que pour l'être, il fallait mesurer 160 cm et lui en mesurait juste 164. Fait que toi non plus, tu serais pas rentré? Non, effectivement. Et pour son mandat, eh bien, on sait qu'il s'est enrôlé en 1779 dans le 5e corps de chasseurs. Il était hautboisiste et carabinier, mais aussi corniste. En 1779, un corps de chasseurs s'est déployé en juillet pour combattre les 7000 ennemis qui se dirigeaient vers Niagara. Ils sont ensuite dépêchés l'année suivante à la prairie. Goeben va être démobilisé en juillet 1983 et va s'installer dans la région de Montmagny. Il va y épouser Marie-Louise Cameron, fille de Thomas et Anne Fraser, et ils auront 8 enfants. D'ailleurs, on sait que Saint-Vallier a accueilli des soldats dans l'hiver de 1780 à 81, ce qui coïncide en fait avec la cour de Theodor Goeben. Et c'est pourquoi on le retrouve un peu dans l'est de la province à partir de ce moment. Vraisemblablement, il y aurait juste été de passage à Québec. Au total, sur une période d'occupation militaire s'étalant de 1776 à 1783, c'est 30 000 mercenaires qui ont été envoyés. Et sur tous ces gens, 2400 ont décidé de rester au Québec, soit 8 % de toutes ces personnes. La plupart d'entre eux se sont mariés avec des Canadiennes et ont eu une grande importance généalogique. Les Cables échappent à cette règle-là. Par ailleurs, c'est un peu curieux que la descendance ait adopté le nom Cable au lieu de Goeben.
devait demander comment ça se fait. Bien, la première mention de Théodore comme établie au Québec est en date du 9 octobre 1787, date de son mariage à Marie-Louise Cameron à Montmagny. Cet acte-là nous donne beaucoup d'informations, mais révèle aussi un certain nombre d'erreurs. Par exemple, dans l'acte même, le patronyme Goebel disparaît, mis à part la signature de Théodore. Et comme les curés écrivaient souvent avec la phonétique, il est fort probable que ça ait contribué à déformer certains patronymes au Québec, dont évidemment celui de Goebel. On va donc le nommer Keeble, ou même Cable, à partir de ce moment-là. Et malgré son importance, l'immigration germanique des 18e et 19e siècles reste relativement peu connue. On peut penser que c'est à cause du contexte très identitaire nationaliste catholique qui a dominé la première moitié du 20e siècle, ou même la place problématique qu'a occupée l'Allemagne entre les deux guerres. D'autres raisons peuvent se rajouter à ça, comme l'absence d'héritiers, une descendance exclusivement féminine, ou simplement la volonté de mieux s'adapter en francisant son nom. Anyway, aujourd'hui, c'est assez possible de faire sa généalogie avec un ancêtre d'origine germanique. Mais là, on n'a pas parlé du fait que je vais du hautbois. Oui, bien, les arts, en général, vont beaucoup se développer sous l'essor de la présence militaire à Québec. On le sait, ils vont être sur place jusqu'en 1871. Et si j'ai mentionné que Théodore Goebel va seulement être de passage à Québec, il faut souligner que la musique va beaucoup se développer grâce aux fanfares et aux orchestres de garnison dans les cérémonies militaires. Mais on ne sait pas grand-chose sur sa carrière de hautboïste. Par contre, on en sait un petit peu plus sur l'apport culturel de ses descendants. Par exemple, on peut penser à Jacques Cable, un journaliste qui a été le fondateur du journal Québec Presse, un hebdomadaire œuvrant entre 1969 et 1974. Il a aussi été journaliste au Soleil et à Radio-Canada. Mais le journal Québec Presse était particulier parce qu'il se proposait d'aborder des sujets assez houleux, comme le syndicalisme et l'indépendance du Québec, dans une période assez ardue, hein, une période marquée par une manifestation pour un McGill français, les meurtres de Murray Hill, la crise d'octobre, on va y revenir dans quelques secondes, ainsi que la loi 22. Quelques 300 ans plus tard, on retrouve donc un descendant de Théodore Goebel qui a éclairé toute une génération sur le mécanisme du journalisme. On peut penser à d'autres figures marquantes qui sont des descendants de Théodore Goebel. Par exemple, Joseph Thomas Goebel, qui s'est mérité la première croix Victoria après avoir repoussé une attaque allemande lors de la Première Guerre mondiale. Cette croix Victoria-là, c'est la plus haute distinction militaire qui a été offerte à un Canadien français. On peut aussi penser à Jean Cable, juge à la Cour supérieure, qui a présidé en 1977 la Commission sur les activités policières en territoire québécois après la crise d'octobre. Et tous ces gens-là remontent évidemment à Théodore Goebel. Pour prendre l'exemple de Jacques Cable, eh bien celui-ci est le fils de Léon-Yvon Cable, marié en 1926 à Charlotte Roger. Léon est le fils de François Cable et de Virginie Rousseau, mariés en 1895. Les arrière-grands-parents de Jacques sont André et Philomène Dion, mariés en 1859 à Sainte-Anne-des-Monts. André est le fils d'André Cable et de Marie-Henriette Roy, et André est le fils de Théodore Goebel et de Marie Cameron. Et Théodore lui-même, eh bien, on sait qu'il est né à Weilbach le 19 novembre 1756 des parents Andreas et Anna Maria Benter. Il a deux frères et sœurs, Elisabeth et Léonore. Bref, Jacques est le sixième de sa génération. Tous ces mercenaires allemands et leurs descendants ont laissé un apport culturel incroyable dans notre capitale nationale. Et d'ailleurs, on le sait, dans le temps de Noël, le marché allemand de Québec, ça se sent et ça se vit. Toutes nos recherches aujourd'hui ont été fournies par Michel Cable, qui est un généalogiste à la Société de généalogie de Québec. Et on vous remercie, comme toujours, d'avoir été parmi nous. Aujourd'hui, on vous suggère d'aller nous liker, nous partager sur Facebook et sur Instagram. Merci, à la prochaine!